ce snap vs flatpak, les temps de démarrage. Là actuellement nous avons une consommation mémoire de 2 Go, 2 Go 10 environ, et je vais démarrer la tempo qui se trouve ici hein, pour avoir un chronomètre sur les temps de démarrage. Alors je vais lancer le logiciel Firefox qui se trouve ici en version flatpak. Top. Nous avons donc un temps de démarrage de Firefox hein, que je vais calculer et que je vous afficherai ici. La consommation mémoire est de 2,70 Go. Hein, j'ai fait plusieurs tests de suite hein, pour voir un petit peu comment réagissait le logiciel. On est à 2,7 Go environ de consommation mémoire lorsqu'il est juste lancé. Ensuite, je vais lancer plusieurs onglets avec la variante qui se trouve ici. Top. Donc, je lance plusieurs onglets. Actuellement, la version Firefox qui est distribuée est la version 104. Celle que j'utilise ici actuellement, c'est la version 102. Qui est en mode Flatpak, hein, on le voit ici, Mozilla Flatpak. Alors les onglets ont été ouverts, ils sont tous utilisés ici, et on a une consommation mémoire hein, de 3,20 Go, 3,30 Go environ, hein, c'est ce que j'ai noté sur mon cahier ici, 3,30 Go en consommation mémoire. Donc je vais fermer Firefox ici, hop. Firefox a été fermé et je vais le relancer. Alors attention, on surveille la tempo et je noterai les temps de démarrage. Le Firefox a été redémarré, comme on peut le voir ici, hein, ça a été assez rapide. Je peux lancer encore les onglets et on peut le voir, c'est assez rapide l'installation. Alors, bien sûr, ça dépend de la connexion Internet aussi, hein, qui des fois fluctue un petit peu. Je vais redémarrer l'ordinateur et je vous retrouve au démarrage avec la version Snap qui se trouve ici. Je viens de redémarrer l'ordinateur, nous avons une consommation mémoire de 2 Go ici, 2 Go 10, et je vais lancer la temporisation, top, c'est parti, et nous allons pouvoir voir le temps de démarrage de Firefox en version Snap qui se trouve ici. Alors attention, top départ, le démarrage, je noterai ici le temps de démarrage par rapport au chronomètre, et comme on peut le voir ici, on est à 2,80 Go de consommation mémoire ici. Hein, c'est à peu près l'équivalent hein, quand je regarde un petit peu sur plusieurs tests. Hein, 2,7 Go, 2,8 Go. Hein, bon, ce n'est pas vraiment très très précis, mais ça donne un peu une idée de la consommation mémoire juste Firefox quand il est lancé. Ensuite, je vais lancer avec le logiciel ici, le dossier qui se trouve ici, plusieurs onglets. Voilà. Donc, comme vous le savez, hein, c'est la version 104 qui est distribuée actuellement par Firefox. Celle que j'utilise en version Snap, hein, on le voit ici, c'est la version 104. Donc, nous sommes actuellement avec la même version qui est distribuée par Firefox. Et on peut le constater ici, hein, on est en version Snap, c'est la version qui est distribuée par Canonical. Là, avec plusieurs onglets qui sont ouverts, hein, si je consulte les onglets, on est avec une consommation de 3,4 Go à peu près. Équivalent, hein, on le voit, ça diminue un petit peu, 3,3 Go, 3,4 Go, c'est à peu près l'équivalent en consommation mémoire, que ce soit en version Flatpak ou en version Snap. Alors, je vais fermer le logiciel, hop, et nous allons faire un redémarrage de la version Snap. Top! Voilà, le démarrage est aussi assez rapide hein, de la version Snap. On peut ouvrir plusieurs onglets, hop, comme on l'a fait tout à l'heure, hein. Hop, là c'est pareil, hein. On retrouve après une consommation mémoire à peu près équivalente hein, au niveau du logiciel. Donc ce que je voulais vous préciser, hein, c'est que depuis la sortie de Ubuntu 20.04, les choses se sont améliorées pour la version Snap. Le démarrage est beaucoup plus rapide, ce qui donne quelque chose de réactif au niveau de l'utilisation. Hein, pour ceux qui sont habitués à fermer le logiciel comme moi, hein. J'utilise le logiciel, mais je le ferme régulièrement, je ne le laisse pas ouvert constamment. Donc vous pouvez maintenant utiliser la version Snap ou la version Flatpak, hein. Les temps de démarrage sont à peu près équivalents, vous ne verrez pas vraiment de différence entre les deux. Allez, je vous dis canabo et à bientôt.